Oui, bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 138 de Stage 1 et nous allons jouer aujourd'hui à Alpha Protocol Sega. Voilà. Et là on voit le jeu, donc ça va être un jeu de tir. Et un peu d'action aussi, parce que bon c'est pas que du tir, il y a une petite histoire et tout. Alpha Protocol. Allez, donc on va y jouer, c'est parti. Alors, on va faire une nouvelle partie, on va se faire en facile. On va jouer. Alors ça c'est les niveaux de difficulté non? Ou, ah non, ça doit être. C'est notre personnage, donc on va prendre soldat. On va prendre le premier. Il y a une histoire de compétences aussi. Alors ça j'ai pas totalement compris. Apparemment on a des points de compétences, mais là on en a pas à distribuer, il me semble pas. Donc c'est parti. Ouais. Allez. Sega Present, je vous laisse la cinématique. If anyone is to blame for these events, Mr. Thornton, it is you. Alpha Protocol began here, after all. I feel like I've been hit by a freight train. Ça y est, c'est à nous de jouer. Alors, merde, j'essaie de bouger, mais en fait, je me suis trompé de touche, je crois. Compétence. Bah, alors, quand j'essaie d'appuyer sur cette QSD, ça marche pas. Donc là, j'utilise les flèches. Non. Non, c'est aussi la merde. barre d'espace pour ramasser les objets. Ouais, alors attendez, on va faire autre chose, c'est que je vais configurer les commandes, je les avais pas configurées, et ben là, je galère un peu. Ou alors, faudrait que je change mon clavier en QWERTY. Alors, avancer, Z, S, Q et D, donc ça c'était bon. Les autres, clic droit pour viser, clic gauche pour tirer, machin, contrôle gauche, accroupir, bon ça c'est les... En général, ça change pas dans les jeux de tir, comme ça c'est toujours à peu près la même chose. À peu près. Ce que je dis, bon, je dis toujours, mais bon, c'est à peu près ça en général. Il garde à peu près ce principe-là. Allez, donc là, ça va être mieux pour contrôler le personnage. Contrôler le personnage d'ailleurs qui bouge, qui fait tac tac tac, gauche, droite, haut. C'est un peu bizarre. Alors là, on va reprendre le portable. Good, you're awake. I wasn't sure how long you'd be under. Those tranquilizers wore off fast. Where am I? You're locked in our medical bay. And when the guards find out you've regained consciousness, they'll put you under again. Don't want that. Any reason why you're helping me? Mina, let's just say I'm not a fan of the indoctrination procedure here. All the more reason to leave, then. And how do you propose to do that? You're locked in. There's a guard outside,
Eventually, he's going to come check on you. And when he does... I'll think of something. Let me check the room. There's got to be another way out. All right, then. Don't take too long. The door's locked. C'est à nous de jouer. Alors, vous voyez qu'on peut choisir aussi les réponses qu'on donne de temps en temps. Alors là, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Faut que je sorte, elle m'a dit de sortir. Ah là, donc il faut que je prenne la bonbonne là. Case of emergency. Donc voilà pour la bonbonne. Alors ce que je voulais faire avant, c'était aussi de regarder au niveau de du jeu, la sensibilité. Voilà, je l'ai trouvé, donc c'est bon. J'ai augmenté la sensibilité de souris parce qu'en fait, je mettais 3 heures à... J'ai 3 km voilà, avec ma souris pour bouger un peu la caméra, mais là c'est bon, c'est un peu mieux. Allez, alors, donc là il y a un mec. Comment on le tape? Comment je tape? J'appuie sur le bouton du tir, mais comme j'ai pas d'arme, bah ça marche pas. Et j'arrive pas à le taper. Alors on va sortir de là. Oh putain, l'enfoiré, il me tape. Allez, sors vite. Hop, alors barre d'espace. Didacticiel. Un clic gauche sur la circuit pour le couper. Déconnecte les circuits dans l'ordre numérique. D'accord. Donc c'est une sorte de petit casse-tête où c'est qu'il faut trouver le. Voilà, le circuit qui va bien avec le numéro qui est au bout. Voilà, 2, 3, voilà. Donc, hop. Ça va être à moi de jouer. Oh merde! Il y a le mec qui est là. Je sais toujours pas comment faire pour le taper. C'est pas que ça m'énerve un peu, mais je sais pas toujours faire. Donc, on va peut-être aller voir s'il n'y a pas une commande spéciale. Alors, comment je tape? Tirer, interagir, genre en compétence. Ah, c'est bon, j'ai trouvé. Hop là! J'ai trouvé! Tac! Il l'a dans le fion. Moi, j'ai pas mis longtemps à le foutre à terre, mais putain, il fallait trouver la touche avant. Donc, le 1, il est là, il fait tac tac tac. Merde. Il faut appuyer comment? Il faut pas appuyer sur le bouton? Ah, faut peut-être appuyer sur les petites touches qui est en bas là. Ça là. Alors, le 1, il correspond. Ah merde, je me suis trompé. Lui. Oh, ah merde. J'ai encore quitté le truc. Donc, le 1, il change, il est là. Le 2, il est là. Le 3, c'est un peu dur au début. Là. C'est visuel, hein. Faut regarder, faut pas se tromper. Il est là. Voilà, 4. Donc j'ai désactivé, en fait c'est pour désactiver l'alarme, pour pas qu'elle sonne. Moi je l'entends. Donc c'est pour ça. Les ennemis aussi doivent l'entendre d'ailleurs. Comment je vais pouvoir trouver une arme moi d'ailleurs? Je suis pieds nus, en pyjama bleu. J'essaie de me déplacer discrètement. Je vais essayer d'aller tuer un mec discrètement. Je sais pas si je vais y arriver. Allez, allez, allez. Trêve. Ah, il y a l'alarme qui sonne en plus maintenant. Non, c'est bon. Donc lui, il va vouloir me taper. Hop. C'est bon. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? C'est une arme. Ah, ça, c'est bien une arme. Je peux viser. Et on va pouvoir bien s'éclater. Allez. Donc, est-ce qu'on a un ennemi à tuer, s'il vous plaît? Ça, c'est quoi? C'est une armoire à pharmacie. Youhou. Voilà, des soins. Ça m'évite de crever. Des munitions. Ah bah attendez, j'ai pas encore eu le temps de récupérer. Regardez. Des munitions ici. Hop, pour mon arme, c'est mieux. On va désactiver l'alarme ici. Alors, c'est toujours le même système. L'alarme. Donc, le 1, il va là. Ouais. Le 2, ici. Le 3, là. Et le 4, à côté. Ouais, c'est pas bien dur, là. Là, c'était plutôt facile comme combinaison. Alors maintenant faut que je trouve des ennemis. Ah non, c'est une caméra, faut que je tire dessus. C'est un peu la mouise parce que là quand même j'ai tiré dessus 3 fois. Il va pas me dire que ça lui fait rien la caméra, je fais que ça de tirer dessus. Allez, c'est au niveau de la visée, c'est merde, c'est la merde déjà là. Oh là là, que c'est pourri. Je peux pas prendre la bouteille là, dommage. Ouais, j'arrête de défoncer les portes, maintenant je les ouvre. Avant j'appuyais sur E, maintenant j'appuie sur espace. Yop, encore des ennemis. Donc là il y en a partout, est-ce qu'on va bien pouvoir s'éclater? Ah lui il avance mais j'arrive pas à le tuer.
Alors on va en profiter pour un autre, parce qu'il est rentré dans la pièce là-bas, donc il va... Et je fais que ça, regardez, j'ai tiré sur sa tête. Le pointeur était sur sa tête, et il est pas mort. Lui... Eh, je peux pas viser mieux que ça. Ah, la visée, c'est de la merde. Allez, là, je suis sur sa tête. Je peux pas faire mieux. Je peux pas mieux viser que mieux. Ah là, mauvais point pour ça. Pour la visée, on rate. Hein. Regardez, là, j'ai plus de munitions. D'accord, bon. Eh ben, on va se la jouer en mode kamikaze, parce qu'il y a aucune munition. Allez, c'est parti. Kamikaze, 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 kamikaze. On va lui casser la tête. Allez, 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 allez. Putain. Voilà. Il fait moins le fier comme ça. Ah, par contre, l'autre... Ah, là, c'est bon, je récupère des munitions. Hop. Lui, il va crever. Allez, voilà. Et il fait tomber des munitions aussi. Il est gentil. Alors, qu'est-ce qu'il y avait ici? Des munitions. On refait le plein, comme ça on est sûr d'en avoir. Là, je crois que je suis dans un cul-de-sac. Avec un ordinateur. Je suis un petit geek, j'aime bien l'ordi. Alors, j'aimerais bien récupérer les trucs dedans, là. Oh non, ce bug, regardez. Alors, regardez. En fait, j'essaye de le prendre en appuyant sur la touche, donc espace. Sauf qu'en faisant espace, ça me couvre contre le mur, donc je peux pas prendre le... Oh là là, c'est bug de fou. Alors, une alarme, on la désactive encore. Je sais pas si ça sert à quelque chose réellement de désactiver les alarmes. Parce que dans tous les cas, il y a des ennemis dans tous les coins. Hop, voilà. On passe à... On n'a pas d'ennemis là? Non, non. Celle-là, crocheter la serrure. Didacticiel. Ah, donc aussi, il y a une petite animation pour crocheter les serrures. Ok. Il faut déplacer la souris de bas vers le haut pour... être dans le bon alignement, et on appuie pour on clique pour verrouiller. Ok. Et si on fait des mauvais alignements, ça prendra plus de temps. Donc là, c'est à moi. Je vise le premier. Hop. Je vise le second. Hop. Et le troisième. Allez. Hop. Et voilà, c'est ouvert. Donc on va prendre peut-être des soins ici. Si j'y arrive. Non, ça veut pas. Encore ces bugs. Je fais que ça d'appuyer sur espace. Bon, mais, ou alors à moins que je puisse pas me soigner ça, quand j'ai ma barre pleine, mais quand même. Any sign of our new arrival? No sign of him yet. Careful, Mike. Truck coming in. And guards at the exit. Try to stay out of sight if you can. Alors, on va essayer d'y aller discrètement pour une compétence spéciale. Sélectionner pour l'utiliser. Alors, on va descendre, on va aller voir. Ok, on voit où là, il y avait un garde là. Faut pas que je me fasse voir trop non plus. On va essayer de le buter. Enfin, je sais pas si j'ai le droit de le buter, mais comme on est là pour le fun, on va essayer. Comme ça. Ah, je lui tire une balle dans le dos, le mec, il est toujours vivant quoi. Voilà. Donc là, je suis sûr qu'il y en a d'autres qui vont répliquer. Il faut que tu files. Oui, non, mais... Ah oui, mais l'alarme a été déclenchée, d'accord. Faut peut-être que je la désactive. Désactiver l'alarme. Alors, nanana, hop, le 2, il va ici. Le 3, il va là. Et le 4, il va ici. Hop, là. Magnifique. Ah, y'a un mec là-haut qui me regarde. Ouh, il m'a regardé depuis là-haut. Il y en a deux même. Allez, très enfoiré. Quand on peut pas tirer dessus, on lui fracasse la tranche. Hop, on se planque parce que sinon il va nous tuer. La visée est pas très précise quand même, putain. Du mal à tuer les mecs. Voilà, c'est bon, lui il est mort. Oh, encore des mecs. Il y en a de partout. Ah non, là-haut. Déplace. Bon, au moins là, au niveau de l'intelligence artificielle, ils sont pas trop bêtes. Ils se déplacent quand ils peuvent pas me tirer dessus, ils se déplacent bien, ils attendent pas comme des cons sur place. Par contre là, bon, je l'ai visé quand même pas mal. Il m'a fallu beaucoup trop de balles pour l'avoir. Lui, bon, c'est bon. On va dire que j'ai eu de la chance. Des munitions, il y en a toujours, mais
J'en ai pas mal. Hop, 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 hop. Attention, on va pas s'attarder non plus. Alors, enfoncer la porte. Donc là, encore des munitions. À chaque fois qu'on tue un mec, il y a des munitions. Donc de toute façon, on est plus à ça près. Alors, piratage de l'ordinateur, didacticiel. Trouver les deux codes dans le flux de données. Ouais. Faire correspondre le code. Alors, il faut que je trouve le code dans les flux de données. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse réellement en fait? j'ai survolé la lecture. J'étais concentré sur autre chose. Il faut que je trouve les codes dans ce tas de trucs qui bougent de partout. Comment faire? Putain, l'alarme elle se déclenche en plus quand je fais un faux truc. Ouais. Je sais pas pourquoi, mais je sens qu'on va y passer du temps. Il faut que je fasse quoi? Parce que là, je peux contrôler par les touches et par la souris. Et tout ça, faut que je le fasse en 10 secondes. Il faut que je trouve les autres codes. Est-ce que c'est pas un truc un peu impossible ce qu'il me demande de faire? Là, il y a une caméra, j'ai pas vu d'ailleurs. Hop là. Il n'y a plus de caméra. J'ai trouvé que maintenant il fallait tirer dans le cul de la caméra pour la... Tout à l'heure, j'avais beau tirer en pleine face de la caméra, ça lui faisait rien du tout. On va désactiver l'alarme. Hop. Troisième. Il y en a un peu plus que tout à l'heure des circuits là. 4. 5. Il est où? Il est là. Et 6. Et 7. Ouais, j'avais totalement pas vu le 7ème. Voilà. Il a un peu plus, comme je disais. Argent gagné, 2500. On va essayer de désactiver ce système, même si putain, ça j'y arrive pas. Ah non, c'est rouge. Ah là là, en plus, quand à chaque fois que je fais une erreur, c'est la merde. Je sais pas sur quoi il faut que je clique, s'il faut que j'appuie sur entrée, sur espace, je sais pas. On va peut-être y arriver. Peut-être arriver à trouver. Donc là, donc avec la souris, je bouge celui de droite. Avec le clavier, je bouge celui de gauche. Sauf qu'il faut que je me mette sur les codes qui bougent pas. Et je vous dis que c'est tout de suite la merde à contrôler, ça. Oh là là. Alors, ils sont où les codes qui bougent pas? Parce que... Peut-être pas y passer ma vie. Alors, attendez, il y en a... Il faut bien regarder. Alors là, il y en a un là, en bas, à droite, non? Ah, putain, je vais pas assez vite. C'est la mouise à contrôler, hein. Je vous le dis tout de suite. Hein. Non, alors je me trompe en fait. Je me trompe parce que avec la souris et tout, je clique, mais... Alors là, regardez, il y en a un tout en haut, il bougeait pas. Ah, là, c'est bon. Il y en a un que c'est bon. L'autre, je me suis foiré. Oh, y a... putain. Donc c'est bon, j'ai commencé à comprendre le principe. J'espère que en regardant la vidéo, vous comprendrez aussi. Comme ça vous aidera. Alors attendez, il faut que je chope celui qui bouge pas. Alors, il faut que je me mette dessus, il faut que j'appuie sur... Ah, je m'en sors plus. Tout à l'heure, j'y suis arrivé. J'en ai fait un, peut-être c'était du hasard, je sais pas. J'en ai fait un, ça commence à m'énerver. En plus, on peut pas continuer apparemment sans avoir fait ça. Donc c'est bloquant. Absolument que j'arrive. Donc regardez, celui-là, il est là. On le voit, il est là. J'essaie de le viser. Hop. L'autre, il est où? Il est là. Oui, j'en ai fait un. Et le deuxième, non. Il était bon, je l'avais mis dessus. Alors, je pense que vous devez vous foutre de ma gueule. Je suis en train de péter un plomb. Vous le foutez de moi parce que là, franchement, je suis en train de passer du temps sur un truc qui est censé être tout simple. Tout que j'imagine que là, c'est simple parce que c'est le début. Ça doit se compliquer. Plus on en rencontre, plus ça doit être compliqué. Ouais. Oui, j'en ai mis un. Et le deuxième, il est où? Il est où? Il est où? 2 secondes? 1 seconde? Ah, il était au milieu.
Bon. On va y arriver. Ça fait déjà quand même 5 minutes qu'on est là-dessus. Ça fait pas mal de la vidéo. Alors, celui-là, il est là. Et l'autre, il est... entre moi. Oui. Non. Il était presque bon, celui-là. Il a... Je suis sûr qu'il bougeait pas, en plus. Voilà. Merveilleux. Ouh. Fin du voyage, Mike. Abandonne. Pourquoi il me dit ça? Alors, je vais désactiver... Ah, ben non, c'est bon. Le... De... Bon, déjà désactivé. Heureusement, j'ai pas besoin de le refaire. Alors là, c'est rouge, mais je sais pas pourquoi. Alors, on ouvre la porte. That's enough. I think that's my line. What the hell's going on? Why did you drug me? We need to get the location of this facility confidential, especially if you got kidnapped and questioned. You could use some lessons in hospitality. I'll forgive you this time. Gracious of you. So this is how the conversation is gonna go. You, me, video screen? Yep. I'm gonna ask you some questions, run you through some more tests, then you and I can talk face to face. That make you feel better? I'm ready. What tests? Not a physical, if that's what you're thinking. No, I figured that was all done while I was unconscious. And then some. We ran your blood work, checked your vitals. You seem healthy. Just one thing we should check. Your psych profile. I've been reading and rereading your dossier. It says here you've got a military background. That's good. I was in the Marines myself. I'm sorry. That a crack agent? No, sir. I'm sorry you're not with them anymore. Must be frustrating pushing papers and talking to new recruits like me. Well, your military experience should prove useful. Weapons range and shooting tests should be a breeze. If you gain more experience in the field, you may want to specialize further. But we can leave that until you've got some missions under your belt. That's it. Now I'm gonna let you out of the pen here and meet the rest of the crew. All right. Is there anything I should know? Nothing you can't find out on your own, and from the staff here. They'll be running you through the basics of weapons, gadgets, and espionage tactics. When you're cleared on the basics, come find me for your assignment. I won't lie to you, Mike. It's a big one, and dangerous. But I think you're the man for the job. Make the rounds. I'll see you soon. Et voilà, tu peux dépenser des points de compétences, là, des PA, ils appellent ça. Hop, donc je vais dépenser... Putain, j'en ai déjà plus que 4. Il n'y a plus rien qui coûte que 4. Qu'est-ce qui coûte 4? Voilà. Ah bah c'est bon. Voilà. J'ai fait ça, quitter, valider les modifications, voilà. Big ass screen. Putain, la taille de l'écran. Ok, il dit des trucs. Donc voilà, on pourra continuer notre aventure, mais on va s'arrêter là, ça fait déjà un moment. En plus, on a passé un temps fou sur l'ordi. Donc voilà, ce sera tout pour Alpha Protocol. Si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à venir visiter ma page YouTube où se trouvent plein d'autres vidéos. Sinon, tu peux aussi cliquer sur les vidéos au milieu pour aller les voir directement. Je t'invite à laisser des pouces verts si tu as aimé ou des pouces rouges si tu n'as pas aimé. Tu peux même laisser un commentaire en bas de la vidéo pour me dire ce que tu penses. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de Stage 1.